Le mec le plus recherché du Benelux, il sort normal, tranquille, comme si de rien n'était. Il arrive en vacances au Maroc. Abi, t'es plus recherché. Non, je suis le plus libre sur Terre. Et t'as tes affaires, tout est bien arrivé, tout est arrivé, il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah, parfait. C'est vrai? Ils t'ont accueilli quand? Ils m'ont accueilli. Merhaba, c'est Hassan. Qui est la base? Je te jure. Gala, il m'a dit, mais non, t'inquiète pas. Parce qu'elle a mché, ils m'ont fait rentrer dans le bureau, j'ai donné. Après, Gala, j'ai dit, moi, c'est bizarre ça. Et comme tu me répondais pas, j'ai. Je suis sorti avant tous les autres. Les autres marques, Ketina, on a la file à côté là. Alhamdulillah. Yallah. Allez, à celle d'avant. Allez, qu'on va aller, on va aller dans les pays, vivre dans les pays musulmans. Allez, qu'on va faire la hijra. C'est le hijra. Ça, on va se barrer. Ouais. Les pauvres s'y savaient. Si, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, c'est des pays musulmans. Pourquoi ils sont musulmans? Allez, qu'on entend l'appel à la prière. Vous avez vu à quoi ils ont réduit l'islam? À l'appel à la prière. Oui, là-bas, tu peux sortir avec ton voile. Regardez. L'islam tourne autour de quoi? Autour d'une barbe. Plus elle est longue, plus t'es musulman. Autour d'un voile, plus il est noir, plus t'es pieux. Vous avez compris le... La justice sociale, la liberté, l'égalité, la propreté, l'ordre. Tout ça pour eux. Ils y pensent... Allez faire un stage chez les Arabes, vous allez voir. Vous ne pouvez dire que, Wallah, il n'y a pas d'islam là-bas. L'islam est en France. Il n'est pas là-bas. L'islam est en France. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout va bien en France. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas en France. Mais Wallah, il y a 10 fois plus de choses qui ne vont pas dans les pays musulmans. Ne serait-ce que l'injustice et la dictature. C'est la pire des choses. Tu n'as pas la liberté et tu subis la pression. C'est un être humain normalement constitué ne peut pas accepter ça. Comprenez pourquoi tous les musulmans veulent se barrer des pays musulmans? Parce qu'ils étouffent, ils ne respirent pas. Là où il y a de la justice, il y a la loi de Dieu. Vous avez compris?